Mesdames, Demoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live. Très heureux encore une fois de plus d'être devant vous pour un nouveau numéro. Je crois que vous avez lu ça, le titre de cette émission, La guerre de l'Est et la 4e République. Bandeko, d'entrée déjà, ceux qui me suivent depuis un certain temps, vous aviez remarqué que je ne parle pas, je ne parle plus de cette guerre de l'Est que moi j'ai considéré que c'est une guerre qui justement qui nous fait marcher, qui est là parce qu'il faut entretenir la position économique, il faut entretenir certaines positions des politiciens naba pays mususu ba voisins et puis tous ces commanditaires entretiennent cette situation à volonté. Donc moi je ne considère pas ça comme une guerre vraiment qui entre les gens qui sont en train de se battre. Non. Moi je vous ai toujours dit que la guerre de l'Est était commanditée par nous-mêmes le peuple congolais et nous permettions ça. Bandeko ba massacre oza ko salema na beni na lobela kango soute parce que moi j'ai toutes les vérités sur la table et nous sommes tout simplement comme sur Contact Pro Live, nous ne dénonçons plus tous les jours les mêmes choses. Non, ce que nous avions jugé de faire ici sur Contact Pro Live, c'est de proposer des solutions, que ça soit dans la direction de notre pays, que ça soit dans toutes ces... Nous avions fixé notre objectif à donner, à parler, à éveiller la conscience de Congolais, à vous donner justement ce que nous pensons, ce qui peut être comme solution pour na Congo et bimana na marasme otozana kati. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être dites sur le pays. Beaucoup de choses peuvent être dénoncées. Batubaza bele ba dénoncaka. O batubaza ibi, o batubakangi mabe justice eza mala mute. Nous pensons ici à Contact Pro Live que solution eza globale. C'est pour cela, la guerre qui se vit à l'est de la République démocratique du Congo, ici nous allons parler sur un angle ou na angle moko koloba solution eza wapi. Qu'est-ce qui peut terminer cette guerre? Et là, on a dit qu'il y a une guerre en Sila. C'est ça le titre que nous allons développer aujourd'hui. Donc, soyez avec nous jusqu'à la fin de cette émission et vous écouterez la solution. Oyo, ce qui va conduire, biso ba yoki biso, ce qui va yoki nenge toza ko kanisa pona bitumba wana Sila, je crois que ils peuvent faire quelque chose, ce qui bolingwa mboka wana ezaka kana mitema na bango. C'est ça que nous cherchons. Nous cherchons tout simplement à dire quelque chose qui peut réveiller la conscience, même de décideurs, à faire quelque chose afin que ces mutineries, bah, massacres wana Sila. Comme d'habitude, avant d'aller un peu plus loin, nous allons prendre les grands titres à la une des journaux qui paraît ce matin sur Internet et puis nous revenons tout de suite après pour le développement de notre sujet, la guerre de l'Est et la 4e République. Voici les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par election-net.com. Affaire Mbosso, vers un rétropédalage du député Gratien Irakan. Et puis au Kasaï, Maniema plutôt, l'effondrement d'un pont paralyse les échanges commerciaux avec le Sud Kivu. On va sur actualité.cd. L'Ouganda remplace son chef de renseignement militaire sanctionné par les États-Unis. Et puis RDC, les 9 événements qui ont manqué en 2021. Et puis André Mbata, à l'occasion de l'anniversaire du décès d'Étienne Tshisekedi, notre victoire ne sera pas complète tant que nous n'aurons pas radicalement changé les conditions de vie de notre peuple. Congo profond, Inongo, le dépôt pharmaceutique des hôpitaux, de l'hôpital général plutôt, cambriolé par des médicaments et de l'argent emporté. Et puis, Ouélé, un cas de justice populaire signalé. On va sur 7/7. Après la pause de la première prière par le président Tshisekedi, DP World démarre la construction du port d'eau profonde à Banana. Et puis,
Nicolas Kazadi parle de quoi ici? Nicolas Kazadi salue l'amélioration de la notation de la RDC par l'agence SNP. On termine par Radio Okapi. Verdict du procès sur le meurtre de l'expert de l'ONU, l'auditoria va en appel. Et puis Kinshasa, l'inspecteur général des territoriales suspendu. Merci, on se revoit demain dans un nouveau numéro. Au revoir. Alors, la guerre à l'Est et la 4ème République, ça veut dire quoi? Et là, on a dit que c'est un titre de la oyo. Nini njo tuko tunawaza guerre à Est avec la 4ème République. Bandeko, Bandugyang. Je vous assure que en 2023, si nous ne parvenons pas à aller à poser des actes qui vont remettre les Congolais au travail afin que Azala responsable na yemoko, que les Congolais puissent être face de ses responsabilités. Ce qui tozo kende kana modèle tozo kende oya koloba ke no batu msusu baya kosale la biso. Et que batu msusu baza koloba ke biso nde mtu toko bongisa mboka oyo biso nde donc avec la politique de haute toi que je m'y mette. Mboka na biso eko kenda ke sikate. Tokobandaka kolela mikolo nyonso. Tous les jours, nous continuerons à pleurer, nous continuerons à décrier, nous continuerons à dénoncer les malversations financières, nous continuerons à crier que nos droits sont atteints, tout ça. Nous continuerons à crier que non, c'est nous qui avons la solution. Bandeko. Biso peuple congolais, toza komi kosa. Je vois les gens ici à la diaspora, bazako se liguer tout autour des gens, bazako ça la propagande na bango. Les gens viennent faire leur propagande ici à l'étranger, que ça soit na Poto ou bien en Afrique du Sud. Ah ouais, les gens sont en train de faire leur propagande afin qu'ils puissent chasser Tshisekedi et que entre à cette place là. Mais pour quel objectif? Congolais to fungola miso. Ce n'est pas qu'à l'étranger que solution mo cannabis ko uta kana diaspora te. Les gens qui sont à la diaspora voudraient rentrer vite au Congo dans ce système ici, ba comme ape ba politicien ba kende ba zwa ba poste ba yi ba pe. C'est ça l'objectif qui anime tout ce beau monde de ce qui se ligue derrière des hommes politiques qui viennent faire leur publicité ici. Bandeko, même Fayulu n'a pas la solution de ce pays. Na modèle o aza ko lukela yango. Modèle nini yango finalement za solution ya mboka na biso. Je vais vous le dire, prenez patience pour tozala awa. Lelo tozo lobelaka makambo ya guerre na Est. Alors, comme je disais au début, vous avez remarqué que ngana za ko lobali susu te makambo ya Est. Si ku kwa te na bise ma cause parce que c'est trop. Donc, on ne peut pas même faire un deuil. C'est devenu monnaie courante qu'on tue les gens tous les jours. Pourquoi on tue les gens? C'est parce que cette situation est en train d'arranger certaines personnes. Pourquoi il y a une situation qu'on a arrangée Kabisa Batou, Bakwe Banakoufa tout ville. Ma massacre est continué. Toutes les solutions qui ont été prises à partir de Joseph Kabila, Tilelo na Tshisekedi, rien n'a terminé cette guerre-là qui a commencé en 2010. Donc nous sommes en train de partir dans les 11e année, 12e année. Donc depuis 2010, depuis 2007, ba massacre on est banda, tilelo yo. Ba solution nyonso ezala ka appliquer et simbaté. Nanini ezo simbaté pourquoi? Parce que paradigme otoza na kati. C'est que les commanditaires, l'ennemi se trouve même au Congo. Ba Congolais, ba ngomo, kobiso mokonde totoa ko entretenir guerre oyo. Je ne dis pas que tous les Congolais, mais ba toi, ba tireur de ficelle, ils sont au Congo. Les Congolais n'est pas face à ses responsabilités. Ba Congolais, ba zo kanisakaka kena nengi otozo kende mboka na biso koza la ka développé. Certains de ces Congolais qui sont en train de tirer les ficelles pour que la guerre de l'Est ne termine pas. Comment est-ce que, vous posez-vous la question, comment est-ce que vous Congolais, vous pouvez vous dire que non,
mbongo ya armée yango ezo bima ki pinga na lié yango. Le président arrive, il n'a pas de solution. Na batu ba msuso baza kokota baza na solution à guerre à STT. Ils n'ont pas de solution, je vous le dis carrément. Baza na solution te. Mais maintenant posons-nous la question, comment est-ce que nous pouvons avoir attrapé solution bandeko? Tango bana ya nani ya beni bazalaka na mairie. Rappelez-vous que cette période là, le massacre était au paradis. Donc et comment qui na souka donc et lok et na niveau moko akusakanate. Ba tu basali ba marche, ba tu basali ba grève, on s'est dit bon, finalement to kende ko bana ba ke ko vanda na nani na mairie. Mais il y avait une solution, Kaneva a plein de sorties, les Mounande a réfléchi. Il y a monde entier au Canada, tout ça par-ci, par-là, les Kéanda. Les gens ont réfléchi comment est-ce que nous pouvons sortir de cette histoire ici. Solution à Bango et Zalakanini, pour vous rappeler. Nous avions donc les Nandes réclamaient le départ définitif de la MONUSCO, le cantonnement des forces armées congolaises, Bafar, de se cantonner Bango, création d'une police de proximité qui pourra assurer la sécurité. Il y a Batou, Moko, Bango, Moko, Bayeba, que non, toujours assurer la sécurité, Nabiso Moko. Donc, c'était ça les trois premiers. Et puis, il y a solution, Moussousou, bien sûr, les Alaki. Mais les trois grandes premières solutions que le Congolais, le peuple Nande avait en main, ils allaient qui. Cantonnement à peuple, il y a FARDC, départ définitif à MONUSCO, et puis il fallait absolument que Batouba Bandakosa, Bavanda, Bayokana, Batoye Bandeye, ni place ni Babanane Zali. Donc il y avait cette solution-là. Mais maintenant, nous, à Contact ProLife, qu'est-ce que nous venons dire pour solutionner cette guerre de l'Est? Bandeko, souvenez-vous! Je vous disais toujours ici que la solution de l'Est du pays n'est pas une solution qu'il faut écarter ou bien qu'il faut prendre na banane moussousou. Non. La solution de l'Est doit être globale. Alors, comment est-ce que j'appelle globalité à solution, Anna? J'ai dit ceci, Bandeko, cette solution de l'Est devrait en principe porter sur une certaine appel et ananiya ya Batouba se mobiliser, c'est-à-dire quoi? Il faut que les gens se mobilisent, il faut que le président de la République appelle à un dialogue. Dialogue en gona ezaki ndenge ni ndeza forme à dialogue te mezali ba conférence ba état de lieu. Nous appelons ça les états de lieu de chaque territoire. Chaque territoire, nous devons réfléchir, nous mettre d'accord à regarder le développement de nos territoires. Ezo kene ndenge nini? Est-ce que ba développement territoire na biso ezako kene na ndenge oyo vraiment que etokoki kokosala yango? Quels sont les problèmes que dans chaque territoire? Et c'est ça le problème global. On a bandé Kolobana Lobby, solution globale et à République démocratique du Congo. Il faudrait que tous les 145 territoires de notre République puissent aller en conférence, puissent aller dans les ce que j'appelle les états de lieu, batou na batou, na katia ba territoire na bango, ba examiner ba problème o eza koleka na katia ba territoire wango, en fait que to so solo la ba solution ya ba problème wana. Mbongo o tan projet o toza koloba ngo koma ki na mato ya mokonzi, mokonzi alobi yango na ndenge mususu. Ba kanisi ke non, ce sont les projets de développement qu'il faut aller mettre là-bas. Le grand projet de développement o ezali eza ko sangisa batou, ba se mettre d'accord sur le programme à développer dans leur territoire. C'est comme cela que nous nous sommes dit, tant que nous allons s'approprier notre projet de développement, ils seront en contrôle de leur territoire. Ils pourront dire que non, nous avons décidé sur ce territoire ici, nous allons s'approprier. Nous avions dit ceci, que nous devons absolument aller dans le sens de Koloba. Les conférences là-bas, état des liens, on a un territoire, et qu'on débouche dans le côté de Benga,
la 4e République. Donc, il faut déboucher dans le texte. Oyo batuna katia ba territoire na bango ba koyoka na balobi ba texte oyo ne tobanzi ke ekoki kozala ko servir biso na territoire na biso pour que to sangana to se mettre d'accord pour to bon to komisa mboka na biso liboso pour to bongisa territoire na biso. C'est ça que je disais que non batu il faut ba sangana pour to zwaka ba compromis to zwaka ba consensus na katia ba ya ba problème. Il faut que nous puissions savoir Moutounini azo sala nini. Na ba état de lié wana, ce qui devront découler par des grands programmes, ba grands programmes, oyo, y a développement ya solo. Ba développement ya solo, ezaka ka ba ponte, ezaka ba maïté. L'identification de la population. Ça, ce sont les grands programmes de base. Construction ya ba maison komino, ba maison ya ba territoire, oyo, par exemple, kolakisa, et kozongi sa autorité à l'état. Babilo quoi ne faut découler kaka place batu bakovanda. C'est ainsi que chemin biso toloba ki tolobi bon. Na ba territoire o eza na ba kokoso ya ba guerre banini ba tout ça. La première des choses, lorsqu'on appellera les états de lieu de ces territoires là, mouvement ya liboso o ko salema eza ba retrait ya ba troupes wana nyoso ya ba tu nyoso ba simba mandoki. Eza la ba rebelle, eza la na sud Kivu. Parce que ba dirigeant na bango quand ils iront na kati ya ba conférence wana tangu ba kokene na ba état de lieu wana parce que tout le monde devra être appelé. Nous avions un carnaval ici que nous avions dit na kati ya ba état de lieu ba territoire na biso wana il faut ezala au moins minimum ya batu ba ko assister na ba biloko wana bazala au moins 300 personnes. Et ces 300 personnes là seront tirées na kati ya ba milliers nyoso na kati ya ba tribu nyoso na kati ya batu nyoso o bazako se retrouver na kati ya ba territoire wana bandeko eza pasite pona ko déceler pona ko yeba nani azalaka na kati ya territoire oyo nani azalaka na eloko oyo. Nous avions parlé ici que non batu nsusu bazo banga balobi ono to bandana nukaka na ba tribu tout ça parce que na émission nanga msusu na lobaki na obi l'article 10 de notre constitution ici nous dit qui est congolais nani yango a ko participer kuna. Alors chemez a ndenge nini chemez ali ko lobaki président de la république o yaza lelo Félix azwa courage atika mamaka mwana ba développement atika makamwana ona ke ko inaugurer loko bwana ke tonga na mboka na biso tonganano les basiques parce que ma basique exacte l'autorité de l'état n'existe pas en République démocratique du Congo. Ça ne servira absolument à rien à commencer à construire des routes si nous n'avons pas un état. La première des choses que nous devons faire c'est de construire l'état et l'état doit se construire sur des consensus qui doit être trouvé parmi les populations. Batu oyo ndenge bavandi na bakati ya ba territoire wana tangu bakoyokana bakozala na armée moko na bango balobi ke police na biso eza ya bana oyo boyo onde bakokota tangu misala oto kobanda ko créer biso moko ba congolais na kati ya ba territoire parce que nous en avons le moyen. Toza na intellectuel ba territoire batu bazana kati ya ba territoire wana bazali tout le monde est en train de faire
quelque chose ba tu bazali kuna ba tu ba intellectuel ba classe ezali ba hôpitaux ezali. Donc nous pouvons nous mettre d'accord en nous disant non, réfléchissons sur l'administration de notre territoire, réfléchissons sur quoi que ce soit. C'est dès lors que tangu ba twana ba kokoma peut-être na ba 10e 15e jour un mois Batubazako Solola, que vous pouvez dire par exemple, ok, nous allons doter de chaque territoire de 10 millions de dollars, parce que 10 millions de dollars, on a quoi maintenant qu'on supporte le projet à le territoire, et eux-mêmes pourront savoir que non, nani a causé la gouverneur Nabiso, nani a causé la ministre Nabiso, comment est-ce que nous allons gouverner, comment est-ce que nous allons gérer, quels sont les plans, le budget et le plan, parce qu'ils vont réfléchir sur l'économie, ils réfléchiront sur la sécurité, ils réfléchiront sur tous les secteurs de la vie, oh, ils ont un territoire Nabango, pour dégager une solution moko oyo et causé la applicable. Alors, eloko wana na yango na zoloba awa ekosilisa makambo ya este kuna, parce que tout le monde batu o baza ko basimba mandoki bazo bunda na nani na ba monguna, monguna aza nani, monguna c'est le peuple congolais lui-même o aza na pouvoir, parce que ceux qui sont au pouvoir sont considèrent ba boyoka kibino moko président de la République, yemo kwaza ko benga ba compatriotes na za ba bandoki. Regardez comment est-ce que nous nous battons tous les jours. Donc l'ennemi du Congolais est parmi les Congolais. Mettons-nous ensemble bandeko. C'est pour cela bon monaki. Nazo tiela bino mutu oyo a simba mandoki na tiela kibino na bandeli. Alobami makanaki aza guerrier, aza na zamba. Mais regardez la tenue qu'il porte. Regardez, écoutez ce qu'il est en train de dire. Bah, tu as dit qu'on a pu baza et belé. Mais beaucoup, ce monsieur-là se retrouvera comme un phare d'essai. Ce qui a été rebelle. Mais la même tenue qu'il porte, c'est la même tenue que les militaires. Donc, nous devons absolument. Et l'autre, même Bintou, ce qui la dame du ACR, elle avait dit que non. Makambo ya est wana ekosilaka na mando kite. Makambo wana ekfo esila na nini? Ekosila na boyokani ya batu bavandi ensemble, toyokani tolobi tokosala boye boye. Élevons le débat bandeko. To élevé ba débat na biso. Les choses qui sont en train de se passer chez nous, ça ne peut pas continuer de cette façon ici. Alors, tout le monde qui est en train de mobiliser Batou, on a une moutouna kosalabo, on a moutouna kosalabo, s'il ne vient pas avec l'idée à Koloba, que Tozongi sa peuple congolais na travail, ce n'est pas moi qui viendra changer la vie des peuples congolais, mais c'est vous-même les Congolais qui changera votre vie. Na kosalandengeni, na ko réorganiser ba institution par un plan pratique, comme je ne dis pas que ce que je dis ici. Et une parole de Bible. C'est ce que moi je pense. Il peut y avoir quelqu'un d'autre qui a un autre plan, mais les objectifs que pour un changement, il faut que Zongi sa Congolais na Moussala. Il faut que Congolais azala conscient que non, il est maître de sa propre terre. Batumsusu ba taxengai que non, ngai naza tribaliste, je suis en train de promouvoir les tribus. Bandeko, nous sommes obligé de traiter avec le tribu et les ethnies. Pourquoi? Parce que c'est l'article 10 de notre constitution qui définit qui est congolais et qui ne l'est pas. Nous ne pouvons pas commencer à tabler sur des gens que nous ne connaissons pas. Batumsusu balobi que non, on va diviser le Congo et que Batumsusu ba kozala ba sécession. J'ai dit que non, Batouana, nous avons vécu, nous avons survécu, les tribus ont survécu des années et des années. Il n'y a jamais eu de sécession, il n'y a jamais eu de quoi que ce soit. Babilo kwa ne ya kanandengeni nezala kaba frustration ya ba population. Il y a une partie ya Batouo baza ko combattre ba autorité oza établi. Mais imagine-toi que nous nous sommes mis d'accord et nous il y a un plan. Oh, batunyon so baebi ke soko sali boyende ozala mokonzi. Soko sali boyende kozwa musala. Soko za boyende kozali. Donc, nous pouvons respecter cette loi-là. Ba rebellion ko utawapi. Tout ce qui nous arrive, c'est parce qu'il y a frustration au sein même de la population congolaise. Bilo konyon so eza ko uta na Congo, eza ko uta kaka na biso moko. Biso moko nde toebi komi jerete. Et c'est ça qui fait mal.
C'est ça qui fait mal. Où est-ce que nous nous rejetons? Tomi tindiki wapi bandeko. Tomi tindiki wapi, tomi tie wapi. Esikate, esika mon côté. Alors, le plan qui doit terminer cette histoire à l'est, Ezaka Kayango Oyo. L'appel Oyo tupona kosa ba tumsusu ba bandaki oh non ba conférence ba ya ba tribu tout ça na katia est ba conférence ba ya ba non. Il faudrait responsabiliser les gens. Il faudrait que le président de la République fasse de ça son cheval de bataille en disant que Ezanga ite bandeko. Tokozala na ba élection na 2023, mais na 2023, nous devons avoir une nouvelle classe politique. Nous devons avoir un nouveau Congo. Et ce nouveau Congo-là sera bâti comment? Par la responsabilité, par vos responsabilités, en responsabilisant le peuple congolais à se prendre en charge. Comme disait le père de Félix, le peuple doit savoir se prendre en charge. Makamboko ya bilanga obanini. Regardez ce qu'il a battu au comme ici projet Oyo na mato ya président de la République. J'ai été vraiment choqué ya koyoka que non, on veut prendre les Chinois Oyo babanda ko exécuter projet à 145 territoires. On crie projet à 145 territoires, ils ne savent pas ce qui se trouve là-dedans. Comment y arriver? Bah, y habiter. Bah, quand ici, par exemple, Kotonga Balabalande, Kozalande, projet à 145 territoires. Ces Balabala-là peuvent être. Bah, oui, Kotongango. Pourquoi Ouganda, Zolinga, Tonga Balabala, place Bisso Tozo Yokanate? Il sait ce qu'il en tire. Et c'est pour cela que même ces soldats-là, bah, soldats Nabango, bah, se précipitent, qui bah, et pas Nabisso. Pourquoi? Parce que bah yebi elo konini bango bazali. Ce qui Congo est tikali kaka na modèle oyo, l'Ouganda va se développer beaucoup plus que les Congolais. Or mbongo ko uta wapi ko uta kana Congo awa. C'est pour cela nous disons à de ceux qui parlent du projet de 145 territoires. Bo yoka bo luka bo yeba ndenge nini toko koma wana. Eza mbongo teza makambo mbongo te ke no bo pesi mbongo na j'ai suivi encore ce matin que non balobi 10 millions ba pesi na ville ya Mwanda et on va chercher les gens qui vont exécuter ce projet là à 10 millions. Moi je me suis posé la question mais ba tout oh est-ce que bazana mayele? On va chercher qui? Pendant que les gens sont là, l'autorité à l'État et quoi que ce soit, namo mbongo wana soki ba réorganiser batu, batie batu ensemble en disant que non, batu ya mwanda bo vanda nanu. C'est ça que moi je me suis dit, na ba 10 millions na ba okiko pesa chaque territoire. Si tous les territoires ba territoire nyo so azo vanda ensemble ba lobby administration na biso ko za laboy. Dorénavant tous s'identifier nanu na mbongo oyo eloko a moimu. Qu'est-ce qui est le plus important, le projet le plus important oyo pour eko assurer développement na biso? Ce n'est pas peut-être eko za la identification. Tant que vous identifiez ba tunyoso boyebi mutu nyoso futa ka impo, boyebi ba droit ya mutu na mutu, boyebi que non administration zo fonctionner. Qu'est-ce qui sera plus grand que ce projet là? Ba tu bazana ba carte d'identité na kati ya ba province na bango ba yebi ke no ba tu mututela yaka awa boye asala ka boye afuta ka impo boye asala ka boye asala ka boye. C'est ça qui est le plus grand projet ke bo kende kotonga nani soki liziba mai bo mai kuna ça va développer quoi. Voilà. Donc aujourd'hui je vais m'arrêter là en disant que non, en tout cas il faudrait absolument que tu réfléchir sur le projet de 145 territoires. Projet on est allé, mais éco résoudre ba makambo ebele na kati ya banani na biso. Éco résoudre makambo ebele, so ki to mitie biso tout ensemble en se disant que non, sécurité na biso, so ki to et faire rebondir que non, to koti na 4e République. Oyo to kozala projet à solo éco tonga ma constitution à solo oyo biso nyoso tout to respecter. Voilà, nous allons continuer la semaine prochaine, disons, dans l'émission Oekolanda. Nous allons continuer sur comment, quelle sera la matière à discuter dans le projet de 145 territoires, comment est-ce que nous pourrons tous ensemble y aller et que ça peut nous prendre combien de temps. Alors, donc, merci beaucoup. Je continue encore à faire votre appel. Vous qui êtes là pour la première fois, ne quittez pas sans nous laisser un petit message. Ou bien botika ta moi like, ou bien bo s'abonner na émission et ko ça la biso bien. Abonnez-vous nombreux pour que
ba message na biso pe e banda kozala partager. Surtout si vous partagez, même ata boza 10, ceux qui vous partagez ka ba émission na biso et ko sala biso bien. Merci beaucoup, portez-vous bien. On se revoit très prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir.